Comme vous pouvez le voir en titre de cette vidéo, il est évident que cette thématique va me coûter. Étant prof de yoga, je m'intéresse évidemment à la nourriture parce que la nourriture fait partie de l'outillage yogique lorsque l'on cherche à se renforcer sur tous les plans et tout particulièrement sur le plan mental où on s'intéresse à la nourriture. Pour ma part, je me suis beaucoup intéressé à la nourriture. J'ai pendant quelques années expérimenté une alimentation de végétarien. Pendant d'autres plusieurs années, j'ai expérimenté le véganisme. Et puis pendant 2 ans et demi, j'ai expérimenté de façon très, très stricte le frugivorisme. Et puis plein d'autres choses encore, et puis toutes d'autres recherches, beaucoup d'autres lectures qui allaient dans le sens d'une meilleure compréhension de la nourriture. Et là, depuis 2 ans et demi, je m'intéresse, depuis 2 ans, devrais-je dire, je m'intéresse au carnivorisme, et je dois dire que parmi tous les repas, tous les systèmes, tous les régimes alimentaires que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, je suis très bluffé par les avantages du carnivorisme, tant sur le plan physique que sur le plan mental, et c'est surtout là où c'est assez bluffant, mais aussi sur le plan, et là ça va très certainement vous surprendre, beaucoup d'entre vous, mais surtout sur le plan, aussi sur le plan, pardon, philosophique, et sur un autre plan qui vous est si cher, vous les yogis, sur la non-violence. Donc je vous invite vraiment à être ouvert à la thématique, parce que c'est ce que vous devez être, n'est-ce pas, vous les yogis, tolérants et ouverts. Je vous invite à être ouvert et tolérant à une thématique assez renversante, qu'est le carnivorisme. Pour cela, j'ai invité une personne envers qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'affection pour son travail en tant que coach sportif, mais surtout, pour ma part en tout cas, en tant que spécialiste du carnivorisme. Il s'appelle David Siegel, il est intervenu il y a quelque temps de cela dans mon programme d'études autonomie. Il a développé le carnivorisme pendant 2 heures et j'ai décidé de vous en offrir un extrait d'au moins 1 heure. David Siegel, c'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube que je vous recommande qui s'appelle Santé de Fer. Il y a plus de 100 000 abonnés sur sa chaîne, des vidéos avec des dizaines et dizaines de milliers de vues. Son travail est très efficace, il le fait avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup d'humour aussi, et puis beaucoup de sérieux. Donc je vous invite à rester, à vous ouvrir à une thématique assez étonnante, et je pense que vous allez être très nourri par ce sujet. Je pense que ce sujet va me coûter, c'est ce que de nombreuses personnes autour de moi me disent. Elles me disent « Mais pourquoi tu mets ce sujet-là en avant ? Tu vas passer pour un hérétique, tu vas passer pour un orgueilleux. » Bon, orgueilleux, j'étais déjà habitué, hérétique, pas encore, on va voir. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de cette thématique. Et puis si ce sujet vous a plu, je vous laisse aussi mettre un pouce bleu, enfin un pouce simplement, un j'aime à cette vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage et puis le meilleur avec vous-même. À bientôt. Ça fait 2 ans que je goûte au carnivorisme et je suis dans ces eaux-là, entre 500 et 700 grammes par jour, arrosé de beaucoup de crème fraîche et de fromage, et je vois rien. Il n'y a pas de signe particulier, quoi. Voilà. Non. Ok. Ouais, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Non, j'allais dire, mais justement, le problème, c'est que c'est essentiellement cette combinaison de sucre et de graisse, en fait, qui conduit à la prise de poids. Et moi, pour avoir passé un peu de temps en Inde, j'ai repéré 2 types de personnes. C'est qu'on avait soit des gens très maigres, soit des gens très gros, essentiellement. Et voilà, c'est essentiellement lié. D'un côté, on a ceux qui sont très malnutris, et de l'autre, ceux qui mangent de grosses quantités de sucre. Voilà, quoi. Ah bah l'Inde, c'est la capitale mondiale du diabète. C'est la capitale mondiale du diabète. En raison de la quantité de sucre extravagante qu'ils peuvent consommer quotidiennement. Ouais. Et à titre indicatif, c'est aussi le pays où la mortalité infantile de moins de 5 ans pour cause de malnutrition est le plus élevée. Ouais. Plus qu'en Afrique subsaharienne. Donc ça, voilà, faut le savoir. On a des enfants qui meurent. 7 enfants sur 10 qui meurent en Inde avant l'âge de 5 ans meurent de malnutrition. Voilà, alors évidemment il y a plusieurs facteurs, il y a la pauvreté bien entendu qui joue, mais on a aussi une culture très végétalienne, très végétarienne, prégnante. C'est un de ces clichés qui perdurent et s'aggrave. 50 millions de petits indiens, la moitié des enfants du pays, souffrent encore de malnutrition. Mais dans le même temps, le développement et la malbouffe ont fait leur apparition.
et c'est une menace diamétralement opposée qui pèse sur la santé des Indiens de classe moyenne, l'obésité. Dans cette école UP de Delhi, comme dans des milliers d'autres, pas de cantine pour ne pas heurter les interdits alimentaires de chaque religion. Alors chacun mange ce qu'il veut, c'est-à-dire n'importe quoi. Ça, c'est mon déjeuner, une glace et des chips. Ici, un écolier sur trois est en surpoids. Ces enfants ingurgitent quatre fois la quantité de nourriture recommandée par jour. Les fast-foods sont pointés du doigt, les desserts traditionnels également. Ultra sucrés ou baignant dans l'huile, leur coût était autrefois prohibitif. Désormais, tout le monde peut se les offrir. Les sucreries font partie de notre vie quotidienne ici. À chaque festival, on offre des bonbons, pour les mariages aussi. C'est pour ça que ces vendeurs sont parmi les plus riches du pays. Résultat, l'Inde deviendra en 2020 capitale mondiale du diabète, avec 100 millions de personnes touchées, soit près d'un Indien sur 10. Gros sujet, deux, trois sujets abordés, c'est on va viande, sur l'écologie. Sur l'écologie, spiritualité, et puis à la fin, quelques cas pratiques, quoi, les quantités, ce que tu conseilles, ce que tu vis, toi, ce que tu as vécu. Ouais. On parle un peu d'écologie d'abord. L'écologie, alors c'est un sujet complexe parce qu'on vit une époque justement où l'écologie fait. Il y a beaucoup de pression écologique sur le comportement des gens. Je pense que ça, pareil, un peu comme la condition animale, c'est quelque chose qui pèse beaucoup sur l'alimentation. L'écologie, ce qu'on nous dit aujourd'hui pour résumer, c'est en gros manger de la viande, ça pollue. Voilà, c'est ça la phrase en mode raccourci. La viande, ça pollue. Or, l'acte même de manger de la viande n'est absolument pas un acte polluant. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est le système de production. Lorsqu'un prédateur mange une proie, il ne pollue pas. À la limite, en plus, il permet de réguler un écosystème généralement. Le principe même de dire manger de la viande pollue n'a pas de sens. Il y a tout un battage médiatique sur les gaz à effet de serre. Les vaches pètent beaucoup, ça fait du méthane, puis ça attaque la couche d'ozone. Alors ça, c'est drôlement rigolo parce qu'en fait, on n'a jamais eu aussi peu d'animaux sur Terre qu'aujourd'hui. On vit la sixième grande extinction, hein, tout le monde en parle en permanence, et on est en train de nous expliquer qu'il faut encore moins d'animaux. Alors que par exemple en Amérique du Nord, lorsque les Blancs sont arrivés, il y avait plus de 300 millions de têtes de bison et pas un brin de pollution. C'est parce qu'en réalité, plus il y a d'animaux et plus la vie prospère. Le problème qu'on a aujourd'hui avec l'élevage et la pollution, c'est un problème de système de production. Alors, on a toujours des alternatives. Ce qu'il faut, c'est développer des systèmes qui soient le plus en accord avec le système mis en place par la nature. On a au Zimbabwe un scientifique qui s'appelle Alan Savory et qui a reverdi le Zimbabwe grâce à l'élevage. Alors, ça peut paraître dingue, mais lui, quand il était jeune, du coup, il observait que le Zimbabwe était en train de se désertifier et ceci était à cause de l'élevage. Il était responsable, je ne sais plus dans quel ministère il était, et donc il a ordonné pour préserver les forêts du Zimbabwe l'abattage de 40 000 éléphants. Donc, alors faut savoir que l'éléphant, je précise, c'est pas un animal en voie de disparition. Tout le monde est choqué en général, mais c'est pas du tout un animal en voie de disparition. Mais c'est un bel animal, et donc c'est dommage d'en tuer 40 000. Et il s'est rendu compte qu'en fait il avait fait une erreur, c'est juste que les élevages étaient mal faits. C'est-à-dire qu'on laissait les animaux paître dans les mêmes endroits jusqu'à transformer la terre en terre aride. Ils ont complètement changé cette manière de fonctionner et ils ont mis en place des élevages tournants avec pour projet de reverdir le Zimbabwe, et c'est ce qu'ils ont fait sur cette dernière décennie ou ces 15 dernières années. C'est-à-dire qu'ils laissent tout un tas de manades d'herbivores dans les prairies, et une fois qu'ils ont bien consommé les herbes qui étaient présentes, sans arracher bien évidemment toutes les racines, puisque l'intérêt c'est justement d'accélérer, de fortifier la repousse. Les herbivores n'arrachent pas les racines, hein, ils les coupent en surface et ensuite ils balancent leurs excréments et ça va fertiliser les sols. Et donc ils ont mis un système tournant comme ça d'élevage, ils ont reverdi le Zimbabwe. Did you know our grasslands are turning to desert? These grasslands that are so important for life, they hold soil in place, store water, store carbon, and feed billions of life forms. One third of the Earth's land surface faces the threat of desertification. Imagine the impact of losing our grasslands
on civilization on the Earth. What if I told you that we had the power to change it? But to change it, we must understand it. Imagine a world of large herds of caribou, buffalo, and other grass-eating species migrating over the lands with their predators. The soils, plants, and animals developed together and lived in balance. Large herds grazed, defecated, stomped, and salivated on the land, which built soil and deepened plant roots. Over time, however, these wild herds have almost entirely disappeared and have been replaced with a low number of sedentary livestock. This disrupted the balance of birth, growth, death, and decay. Grasslands depend on biological decay to survive. And without it, desertification persists. Desertification has long been blamed on overgrazing, too many cattle, sheep, and goats. Although not backed by science, this belief led to human policies and technologies to control desertification, such as removing animals and rejuvenating grasses with fire, further contributing to the problem. While fire does offer short-term benefits by removing dead material to allow new green flush, it also destroys soil cover and puts carbon into the air, causing long-term damage. Destocking animals allows the land to rest, but overrest inhibits biological decay and can lead to fires. The process must be biologically active. Grass needs animals to thrive. Recently, we discovered that the problem can be reversed with the very thing on which it has been blamed, herds of livestock. A new form of management that mimics the natural behavior of wild herds and restores the balance that once was. This can be done through holistic planned grazing. With a holistic approach, the natural cycle can take place. The grasslands can be healed, people can thrive, and the earth can be restored. Plants, animals, and soils developed together. Only when our approach to livestock management mimics nature will our grasslands begin to thrive. Under the research and direction of Alan Savory of the Savory Institute, this methodology to reverse desertification has been proven successful in parts of Africa, Australia, North America, and South America. Donc en réalité, l'élevage, quand il est bien fait, c'est ça pérennise le vivant. Les animaux vont fertiliser les sols, vont reverdir les pâturages, vont migrer, vont bouger et apporter la vie qu'il y a avec. Le contraire, en fait, du vivant, c'est l'agriculture. C'est la monoculture, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut bien comprendre ce qu'est l'agriculture. C'est un génocide, c'est un massacre de masse. C'est-à-dire que vous prenez un écosystème dans lequel, dans chaque mètre carré, vous avez des centaines de milliers de créatures vivantes qui sont extrêmement petites, qu'on ne voit pas. Donc, comme on ne les voit pas, ben, on ne se doute pas de leur présence. Donc, on extermine toute forme de vie sur plusieurs hectares. On arrache tout au niveau du sol. On le retourne et ensuite on va faire de la monoculture d'une seule plante pour notre intérêt et on va exterminer tout ce qui va essayer de venir se nourrir dans ce champ à coup de pesticides, à coup de pièges pour piéger justement les petits mulots, les insectes. Et en fait, l'agriculture tue énormément de créatures, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en détruisant l'habitat des créatures. Et ensuite, en empêchant toute forme de vie de venir nous embêter dans notre production alimentaire. Alors que l'élevage, ça n'est pas du tout ça. Un élevage bien fait, c'est une vache qu'on va placer au milieu d'une prairie sur un hectare. Il faut savoir qu'en France, on a un hectare par vache. 80% des vaches sont en plein air en France, hein, sont en pâturage. Mais cet hectare est partagé avec des centaines de milliers ou des millions de créatures. Ça va des vers de terre aux scarabées, aux coléoptères, aux coccinelles, les papillons, tout ce que vous voulez. Et effectivement, à la fin de ce cycle, nous, on va prélever la vache. Mais on maintient un écosystème blindé de vie, alors que la monoculture de blé à côté ne permet pas ça. La monoculture à côté, c'est les pesticides et c'est la mise à mort du vivant. C'est également une érosion des sols. Les sols sont. Il faut savoir que toute la végétation mondiale repose sur 10 cm de sol à peu près. Ces 10 cm qui sont formés d'humus sont essentiels à la vie.
Aujourd'hui, ce qu'on fait avec l'agriculture, c'est qu'on est en train de vider les sols totalement de créatures vivantes et on est en train de les stériliser. Et l'élevage ne fait pas ça. Et un truc tout bête, moi, que je dis souvent, quand tu es carnivore, si tu veux pousser le raisonnement très loin, au niveau de la quantité d'animaux qui meurent pour ton alimentation, comme tu disais, toi, c'est peut-être 500 grammes, 600 grammes de viande par jour. On peut s'amuser, on peut arrondir à 1 kilo. Supposons que je mange 1 kilo de viande par jour. Si j'achète une vache et que je la fais abattre et dépecer et que je mets tout ça dans mon congélateur, j'ai, en tuant un animal, j'ai un an de nourriture. C'est exactement ça. Ouais. Tranquille. Et j'ai tué un animal. C'est ça. Alors qu'en réalité, on tue des milliards et des milliards d'êtres vivants dans les champs agricoles. Alors, il y a très peu d'études à ce sujet. J'en ai trouvé deux. Il y en a une qui conclut à peu près à 7 milliards d'animaux tués par an dans les champs agricoles sur la planète. On parle là que d'animaux, hein. On ne parle pas d'insectes. Et une autre étude faite par un Australien qui, lui, arrive plutôt à 110 milliards. En fait, c'est extrêmement difficile à quantifier parce que selon les zones géographiques, il y a plus ou moins de vie, en fait, qui se balade dans les champs. Mais on est entre 7 et 110 milliards d'animaux tués par an pour la production agricole. Je ne parle pas des 70 milliards d'animaux tués pour l'élevage. Je parle juste de production de fruits, de légumes, de blé, de tout ce qu'on veut. Et ça ne prend pas en compte les insectes. Il faut savoir que là, en juillet, il y a une étude qui vient de sortir et qui conclut que les insectes également ressentent la douleur. Donc, c'était quelque chose qui était un peu... On ne savait pas trop. Alors, instinctivement, on pouvait penser que oui, parce que une créature qui peut se mouvoir, si elle ne sent pas la douleur, ben, elle est immédiatement en danger, en fait, hein, au niveau de la survie. C'est très difficile. Et il semblerait... alors ça, je suis tombé en juillet dessus, là. Il semblerait que ça y est, on en soit quasiment certain, les insectes ressentent la douleur. Mais si les insectes ressentent la douleur, il faut bien se mettre aujourd'hui en tête que l'agriculture tue beaucoup plus d'êtres vivants, au final, que l'élevage. Qu'un élevage bien fait, j'entends. Ouais, et ça, ce que tu es en train de dire, c'est réellement, pour ma part, l'argument qui m'a complètement... touché. J'ai vraiment eu la larme à l'œil quand j'ai vu ça, quand j'ai compris ça, quand j'ai ressenti ça, quand j'ai vu une forme d'inversion des valeurs, une fois de plus, entre ce qu'on imagine tout ce qu'on peut imaginer à l'égard du carnivorisme et tout ce qu'on imagine à l'égard du végétalisme, enfin du crédivorisme, etc. J'entendais précisément ce que tu viens de dire de la part d'un carnivore. Je pense que c'est un argument qui s'impose. Quand tu dis on va faire une moyenne d'un kilo de viande par jour, comme tu dis, c'est l'équivalent d'une vache par an. Donc le carnivore, on peut dire, il mange une vache par an. Et comme je veux vraiment insister là-dessus, aucun être vivant qui vit autour de cette vache ne sera abattu, ne sera détruit, que ce soit les lombrics, les insectes, tout ce que tu viens de dire, quoi. Et à l'opposé de ça, pour faire pousser des céréales, des légumes ou je ne sais quoi, c'est seulement les céréales et les légumes, on est dans l'obligation de faire évacuer de nombreux animaux de leur habitat naturel, de les faire évacuer ou de les détruire. Et c'est là que l'on peut dire à toutes celles et ceux qui ne mangent pas de vaches, par exemple, par peur de leur faire mal et par peur de tuer un animal, est-ce que la vache est plus importante qu'une souris, qu'un mulot, qu'un scarabée, qu'un lombric, qu'un insecte, etc. Est-ce que c'est plus important? Qui ont tous la même volonté de vivre. Hein. Exactement, exactement. C'est ça? Ouais. Et ça, c'est vrai que quand on réalise ça, ben c'est une grande claque dans la gueule parce que le simple fait d'être vivant, en fait, irrite les autres créatures vivantes. Et si on est vraiment dans une démarche d'efficacité et de réduction de souffrance autant que faire se peut, on est obligé à minima de se poser cette question-là. Est-ce que c'est pas plus plus honnête, voilà, et moins générateur de souffrance de faire le choix d'abattre un animal sciemment plutôt que de fermer les yeux sur ceux qu'on ne voit pas à des milliers de kilomètres, mais qui en fait et qui meurent je tiens quand même à préciser, dans des souffrances bien plus atroces. Un animal empoisonné souffre bien plus qu'une vache dans un abattoir.
faut bien se mettre ça en tête. En plus, en France, pour ceux qui peuvent et qui veulent, on a des alternatives. J'ai interviewé Émilie Janin, en décembre dernier, qui est une éleveuse qui a mis en place les abattoirs mobiles en France. Aujourd'hui, on a de la viande que vous pouvez commander et vous faire envoyer chez vous, d'animaux qu'on est allé abattre dans leur ferme. Alors, ils sont en pâturage toute l'année et ensuite, ça prend un millième de seconde ou un dixième de seconde avec, alors faut en parler crûment, mais avec un pistolet à percussion qu'on place ici sur le crâne, l'animal ne souffre pas. Il passe de conscient à inconscient en un dixième de seconde, un centième de seconde, ça va extrêmement vite, il n'est pas déplacé, il meurt à la ferme. Et tout ceci est bien moins générateur de souffrance que les végétaux qu'on produit actuellement en grande quantité. Pour la plupart en plus, dans des pays du tiers-monde, on pourrait aussi faire deux heures sur les conditions de travail des centaines de millions de personnes qui produisent ces fruits et légumes qui traversent le monde, tout ceci génère énormément de souffrance. Et on a cette alternative d'un élevage bien fait, qui non seulement s'inscrit dans une démarche écologique, puisque c'est un écosystème et c'est un terrain, finalement, la pâture, qui est partagé entre nous, les bovins, les insectes, les plantes, et c'est quelque chose qui appartient à toutes les créatures qui y sont. Tout ceci génère moins de souffrance qu'un terrain qu'on s'octroie, qu'on se réserve et dans lequel on tue toute forme de vie qui viendrait essayer de nous manger notre ressource. Mais c'est vrai que par défaut, quand on voit un végétal, on se dit « Ah, regarde, il n'y a pas de sang. » C'est ça. Et c'est là que se pose du coup la question de la spiritualité. Que fait-on de cette violence? Que fait-on de ce massacre? De ce massacre. Voilà, de ce massacre. Est-ce bien utile? Et que peut-on faire pour réduire tout ça, quoi? Je suis content d'avoir de finir sur cette thématique, parce que moi je veux vraiment insister, ça a réellement été le point de bascule pour moi. Dès que j'ai compris ça, j'ai été retourné à l'intérieur. C'est comme si c'était une véritable gifle. Ah oui, non, moi je conseille à tout le monde le livre Le mythe végétarien de Lyer Kiss, qui est une ancienne végane qui a voulu se lancer dans l'autonomie alimentaire. Donc, elle s'est installée en campagne, elle a commencé à essayer de faire pousser des végétaux, et puis, elle a fait face à la réalité, c'est-à-dire qu'il y a des escargots, des limaces, qui ont commencé à arriver pour lui manger ses trucs. Elle ne voulait pas les tuer, dans cette démarche de non-violence, et donc, elle a commencé à prendre des poules, pour que les poules, elles, se nourrissent de ces vers et de ces limaces, et en fait, elle s'est retrouvée dans un engrenage où elle s'est bien rendue compte que pour qu'il y ait la vie, et malheureusement, il faut qu'il y ait la mort, quoi. Et en fait, ça va ensemble. Et ça a été tellement violent pour elle qu'aujourd'hui, c'est une militante anti-agriculture, mais c'est incroyable. Et voilà, et dont son but, c'est de faire prendre conscience à tout le monde que la pire erreur de l'humanité a probablement été l'invention de l'agriculture. Et c'est quelque chose de très grave pour la planète, en fait. On tue la planète, on tue le sol, on tue le vivant. Et au niveau spirituel, du coup, on peut se poser des questions, c'est-à-dire sur la violence, comme tu en as parlé au début de notre entretien. Que veut dire le concept de non-violence au final? Est-ce que finalement dans le monde il n'y a pas une violence qui existe, tout comme existe l'amour, tout comme existe beaucoup de choses? Et qu'on doit accepter et on doit y faire face et peut-être il faut en faire usage parce que il y aurait peut-être, alors ça c'est une question qu'on peut se poser, des violences gratuites mais des violences utiles tout simplement et c'est peut-être ça le plus important, c'est d'accepter le monde dans lequel on vit, d'accepter son fonctionnement et une fois qu'on le réalise, de prendre ses responsabilités et malheureusement faire des choses qui peuvent paraître désagréables, qui sont pas les plus agréables. Moi, j'aime à penser que les premières spiritualités du monde étaient des formes d'animisme, c'est-à-dire que lorsque tu fais partie d'un environnement dans lequel tu es totalement intégré, que tu réalises que tu n'es qu'un rouage en fait de là où tu vis, tu développes de l'animisme. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas donner vie à tout ce qui t'entoure, c'est-à-dire que la montagne a une âme. La rivière a une âme, la prairie a une âme,
L'arbre a une âme, tout a une âme et tout a un rôle. Et quand tu prends ta place, tu réalises en fait le fonctionnement de tout cet écosystème et de tout ce rouage. Et donc, tu es plus prompt à accepter ce qui le compose et entre autres la violence. Il y a une violence qu'on est obligé d'employer pour se nourrir. Elle est obligatoire. C'est-à-dire que si c'est pas une violence directe envers un animal pour lui ôter la vie pour le manger, c'est une violence indirecte parce que tu vas prendre des ressources à un autre animal ou lui prendre un territoire et le faire souffrir d'une autre manière. Donc après, il appartient à chacun de faire des choix et soit de faire face, tout simplement, et de se dire, bon, ben, je dois accepter qu'en étant vivant, je cause des dommages à d'autres êtres vivants. Soit d'être, alors ça risque d'être péjoratif ce que je dis, mais un peu de se voiler la face en disant, moi, je veux pas savoir. Et cultiver mon petit truc. Je vais tuer les vers de terre quand je retourne la terre. Je vais empêcher les limaces de s'approcher. Ce genre de choses et au final pour moi c'est éviter de faire face au réel, voilà, tout simplement. Et je pense que la violence malheureusement fait partie de ce monde. Alors j'ai été longtemps un partisan de la non-violence et aujourd'hui je le suis plus du tout. Je suis un partisan de la violence juste, c'est-à-dire la violence utile. Et je pense que quelque part, alors ça n'engage que moi, hein, je pense que la nécessité de tuer des animaux pour se nourrir est source d'enseignement, et qu'elle a une nécessité pour nous, c'est la capacité à se défendre et à défendre les personnes qu'on aime, nos possessions, ou tout ce qu'il en est. Si tu ne fais jamais face à la violence et tu ne fais jamais preuve de violence, tu ne peux pas te défendre lorsque tu es victime de violence. Ça peut paraître bête, mais je pense qu'il y a un enseignement derrière tout ça. Et je pense qu'il faut y faire face pour pouvoir un jour être à même de pouvoir se défendre face à une violence injuste. Tu vois ? Ça n'engage que moi. Hein. Non, j'aime beaucoup ce que tu dis. Et en t'écoutant, je me disais aussi si on prend en considération tes propos, si on se dit « Ok, consommer de la viande » est en vérité quelque chose de naturel et de nécessaire pour la santé de l'humain, que ce soit sur le plan physique, sur le plan mental. Si on se dit ça, si on se dit il y a une forme de normalité dans le fait de manger de la viande, est-ce que nous n'aurions pas un problème, nous, dans notre relation à ce que l'on estime être de la violence aujourd'hui? C'est-à-dire, lorsque l'on se dit « Ok, je suis dans la non-violence, par conséquent, je ne mange pas d'animaux, je vais manger que des légumes », est-ce que c'est le signe d'une évolution spirituelle ou est-ce que c'est le signe d'une régression spirituelle? Est-ce que c'est le signe d'une évolution ou est-ce que c'est le signe d'une faiblesse? Est-ce que c'est le signe d'une évolution ou d'une névrose? Je n'ai pas vraiment de réponse à cette question, mais ça se pose. Ça se pose vraiment. C'est une très bonne question. Personnellement, moi, je pense que la vie en ville, quoi, le fait d'être citadin, nous coupe d'une certaine forme de spiritualité. Et lorsqu'on ne produit pas ce qu'on consomme et qu'on ne fait que faire venir les choses, on ne peut pas être conscient, en fait. On ne peut pas avoir une totale conscience des choses. Et le problème des villes aujourd'hui, c'est qu'elles demandent à ce qu'on produise 10 fois plus que ce qui est nécessaire. Et donc à générer beaucoup de souffrance, et que souvent faire face un peu plus à la ruralité. Moi, par exemple, j'ai été végétarien pendant quelques années, et il y a 6 ans, j'ai tué mon premier poulet. Je l'avais jamais fait avant. Je viens d'une famille où ça se faisait. On avait un poulailler, on avait un clapier. Moi, j'avais mes cousins, à chaque fois ils venaient, on tuait le lapin là d'un coup sur la nuque. Ma mère avec mes tantes découpait le lapin, mais moi je ne l'avais jamais fait. J'avais jamais ôté la vie volontairement à un animal. Et à un moment, quand tu réalises tout ça, tu te dis, ben voilà, soit je suis dans la négation, soit je franchis le pas. Et donc, t'essayes de le faire, et surtout, t'essayes de le faire bien, parce que t'as pas envie que l'animal souffre. Et tu réalises qu'en fait, ben, comment dire, c'est pas évident, mais c'est comme ça, quoi. Et cette déconnexion du réel fait qu'aujourd'hui, voilà, on a du mal à faire face à une violence qui est en fait de l'ordre des choses. Et je pense que, alors, je vais pas faire comme Jean-Jacques Rousseau et
idéaliser le bon sauvage, la civilisation perverse et tout et tout. Mais je pense sincèrement que quand tu vis dans un environnement plus naturel, quand tu as plus affaire à la nature, tu acceptes beaucoup plus facilement cette réalité. Et il y a probablement beaucoup plus de respect envers l'animal et envers le vivant, même si tu donnes la mort, que quand tu ne le fais pas. Et au final, l'acte, il est secondaire. L'acte, c'est ce qu'on va voir, hein. Mais ce qui se passe en interne est beaucoup plus fort. Et donc, voilà, moi, j'ai décidé à l'occasion, de temps en temps, d'aller acheter un poulet et de le faire moi-même. Voilà, par souci de cohérence, quoi. Après, évidemment, j'ai envie de mon petit confort. Moi, ça me prend toute la matinée, hein, de vider un poulet et tout et tout. C'est plus facile d'acheter un poulet rôti, c'est sûr. Mais il faut des fois faire l'effort de se confronter au réel. Et voilà. Et ce serait encore autre chose si c'était le tien. Ce serait encore autre chose si tu l'avais élevé toi-même pour tout au bout, comme lui aussi, le tuer. Ouais. Ah oui, bien sûr, ce serait plus compliqué. Mais là, avec ma femme, on parle, là, on va prendre un poulailler. Et donc, c'est quelque chose qui va se représenter très prochainement, puisque les poules, une fois qu'elles ne pondent plus, et c'est ça le problème qu'avait eu la Yerkis à l'époque, c'est qu'à un moment, les animaux que tu as, tu les prends au début parce qu'ils ont un intérêt, ils apportent quelque chose, mais il arrive un moment et ils n'apportent plus rien pour la vieillesse, à cause de la maladie, peu importe. Mais tu ne peux pas les conserver. Ça n'est pas possible, sinon tu mets en péril ton mode de vie, tu mets en péril ta subsistance. Et donc c'est ça, faire face au réel, c'est accepter que pour que la vie se perpétue, ben, il faut que la mort intervienne. Et des fois, c'est toi qui vas être le représentant de cette mort-là. Et en tant qu'espèce consciente, ben, tu vas faire, contrairement aux autres espèces prédatrices, ton maximum pour que ta proie ne souffre que peu, voilà, qu'elle souffre le minimum. Et c'est quand même une supériorité qu'on a sur les autres espèces, c'est que nous, on prend en compte cette douleur de la proie, quoi. Oui, parce que les espèces entre elles, elles commencent par le ventre, en vérité. Elles n'en ont rien à faire. Et c'est pour ça que je trouve dommage qu'il y ait beaucoup de gens qui dénigrent un peu cette humanité en disant « oui, l'homme est mauvais, l'homme est ci, l'homme est ça », alors que moi, je suis plutôt fier. Enfin, fier, j'ai pas choisi d'être né humain, hein, mais je trouve que l'humain est plutôt glorieux, en fait. Je trouve que c'est une créature intelligente qui a conscience de beaucoup de choses et qui est la seule espèce à prendre en compte la souffrance de l'animal qu'il va tuer pour manger. Et c'est quand même assez noble, je trouve, et c'est dommage de dénigrer en permanence la race humaine un peu avec ce côté un peu cynique et misanthrope qu'on a actuellement. C'est dommage. Ouais, et puis après il y a aussi simplement le comportement. Moi, je vois ton comportement que je trouve très très posé. Je te trouve très structuré. Je te trouve très gentil et très calme, évidemment. Je dis des choses toutes bêtes, mais je prends l'exemple de du boucher chez qui je vais toutes les semaines, qui propose une viande bio. Il vend du bœuf. C'est bête à dire, mais ce sont des vaches qui sont herbivores, qui vivent en prairie et comme tu l'as dit, avec un hectare ou deux par bête. Et c'est étonnant, mais cet homme, je le trouve réellement paisible et étrangement, étrangement, c'est pas un boucher, quoi. Je le trouve très très doux, très très sensible, et puis étrangement très amoureux de ses bêtes. Voilà. Oui, très respectueux et très amoureux de ses bêtes. Et je te disais ça, je disais souvent ça sous forme de blague, pour provoquer un peu. Je disais ça, je pense, à notre premier échange. C'est un peu couillon, mais c'est un peu juste pour provoquer. J'aime bien prendre l'exemple du vegan qui se retrouverait à un repas de chasseur un dimanche midi. Tu vois, je te rappelle, j'avais dit ça. Il se passerait rien en vérité. Quelques blagues éventuellement après l'apéro, mais ça n'irait pas plus loin. Dans le fond, tout le monde s'en fout. Mais tout le monde s'en fout, voilà. Mais on peut pas imaginer, on peut difficilement imaginer le contraire. On peut difficilement imaginer un chasseur un dimanche midi dans un rassemblement de vegans. Et des moments, j'ai envie de dire, d'un point de vue comme ça, psychique, où se trouve la violence, quoi. Voilà. Oui, c'est ce que disait Robert Masson dans son interview, là, Un pistolet dans l'assiette, où il disait qui sont les plus tolérants et où est l'agressivité réellement. Et généralement, c'est bête à dire, mais elle n'est pas du côté de ceux qui donnent la mort. Parce qu'en fait, ils ont conscience que tout ça est difficile, qu'il y a une acceptation derrière. Alors que quand
Moi, j'ai beaucoup eu affaire aux véganes, hein, en fait, parce que j'ai fait des vidéos très critiques sur le véganisme. Là, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais quand tu es persuadé qu'il y a des injustices, qu'on fait du mal aux autres créatures, t'es pas serein, en fait. Quand tu es persuadé que celui qui est en face de toi, il collabore avec un système mauvais, générateur d'une souffrance immense, t'es pas serein. Tu vois tout le monde comme un ennemi. Et finalement, la première personne à en pâtir, c'est toi-même. C'est toi-même, et après c'est les autres, et après ben tu t'éloignes de ton cercle d'amis, de ton cercle familial, tu fais de l'entre-soi avec les gens qui pensent comme toi, et voilà, et t'es enfermé dans un carcan psychologique. Et beaucoup pensent qu'ils sont en train de développer une vie spirituelle, alors qu'en fait ils sont en train de s'enfermer et de beaucoup juger. C'est ça le souci principal, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le jugement. Alors, tout ceci étant dit, qu'est-ce qu'on mange maintenant? Une salade. Alors, en pratique, alors, ça donne quoi? Ça donne quoi en pratique? Moi, en je partage pratique, volontiers ce que alors, je mange, mais toi, quel est ton point de vue sur la mise en pratique du carnivorisme? Alors, moi, je suis rentré dans le carnivorisme un peu violemment. Moi, je suis rentré vraiment par la petite porte, c'est-à-dire que je me suis mis au bœuf à l'eau. Du bœuf et de l'eau et rien d'autre. Et autant ça a été une expérience fabuleuse, autant c'est pas forcément ce que je conseille à tout le monde. Moi, je pense que il y a des étapes, on est tous différents. Il faut que les gens... Je pense que la première étape, c'est de réaliser que la viande n'est pas un aliment toxique, que c'est pas un aliment rempli de souffrance et de malheur, que c'est un aliment santé. Mais quand tu commences à réaliser ça, tu peux augmenter petit à petit, c'est-à-dire changer les ratios, réduire un peu la part de salade et de légumes pour augmenter un peu la part de viande. Et on peut faire ça de manière progressive. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je fonctionne, j'y vais toujours la tête en avant quand je me lance dans quelque chose. Il y a plusieurs types de carnivorisme, en fait. C'est ça le problème, c'est que moi, j'ai du mal avec les étiquettes parce qu'en fait, carnivorisme, ça veut pas dire grand-chose. Il y en a qui pensent que ça veut dire manger que de la viande et c'est tout. Mais pour moi, c'est pas ça. Pour moi, carnivorisme, c'est manger une dominante animale. C'est-à-dire qu'on va faire un excès calorique, on va faire le gros des calories provenant de produits animaux, que ce soit de la viande ou des œufs. Et on va essayer de réduire les glucides au maximum. Parce qu'en réalité, dans notre environnement tel qu'il est, on a très peu de fruits, on a très peu accès au sucre. C'est une denrée très rare, le sucre. Et c'est vraiment aujourd'hui ce qui nous pose problème, c'est ce sucre. Alors, faut pas croire, hein, le sucre qui vient de Chocapic, de Chupa Chups ou d'un fruit, c'est du sucre. C'est toujours du sucre. Après, on va dire fructose parce que ça vient des fruits, mais c'est du sucre. Et le sucre en excès, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. On peut en avoir, on peut en consommer en petite quantité, il n'y a aucun problème. Hein. Mais il faut pas que ce soit une base alimentaire. Donc, pour moi, l'idéal, c'est de privilégier les viandes grasses, donc la viande de bœuf, la basse-côte par exemple, les viandes mijotées qui sont très bonnes, de réduire les quantités de sucre, de se focaliser sur de l'eau essentiellement. On va éviter également, on va réduire l'alcool, le café, le thé, tout ce qui est... En fait, l'idée, elle est pas compliquée. C'est de réduire tout ce qui est d'origine végétale et d'augmenter tout ce qui est d'origine animale. Et on va garder en tête d'éviter tout ce qui est trop maigre, parce que notre principal carburant, lorsqu'on réduit le sucre, ça va être la graisse. Donc, on va manger des viandes grasses, et on va essayer de cuisiner lorsqu'on cuisine avec du beurre ou de la crème, ou pour ceux qui tolèrent le lactose, bien évidemment, tout le monde n'est pas tolérant au lactose. Ou encore, moi, ce que je conseille, c'est la graisse de canard ou la graisse de bœuf pour les cuissons. C'est excellent. Le saindoux, ça fait super bien le boulot, le saindoux. Ce sont des graisses neutres en plus, sauf pour la graisse de canard. Mais ce sont des graisses neutres, donc au goût, ça passe très bien. Et un point que j'ai oublié de soulever, en fait, pendant cette conversation, c'est l'importance des organes. Alors, les abats, c'est vraiment les produits les plus nutritifs que vous pouvez trouver. Si vous mangez une fois par semaine du foie, 200 grammes, de temps en temps peut-être du cœur ou des rognons, vous ne serez jamais carencé en rien du tout, quoi. C'est pas possible, c'est extrêmement nutritif. Le foie par exemple est l'organe de stockage des vitamines et des minéraux du corps.
Donc en fait, ce que vous consommez là, c'est vraiment la réserve énergétique. On peut pas faire mieux en fait sur Terre comme aliment que le foie. Le foie de bœuf, le foie de veau. Tu le mangerais comment tu manges comment le foie? Alors je mange très peu cuit. Je le snack légèrement parce que plus on va cuire et plus on va dégrader les vitamines. Donc faut garder en tête que la cuisson c'est toujours quelque chose de sommaire. Alors évidemment, moi je dis ça, ça tombe bien pour moi. J'adore tout ce qui est très peu cuit. Mais je conçois que quand on a l'habitude de manger bien cuit et qu'on mange pas de foie, se mettre à bouffer du foie à peine rosé, c'est peut-être pas le truc le plus évident. Mais vous pouvez très bien faire, pour être sûr d'avoir un bon apport de nutriments, des boulettes de viande, c'est très simple, hein, de la viande hachée, et dedans vous mettez des morceaux de foie. Et en fait, ça permet un peu de camoufler. Moi, c'est ce que je fais pour mes gosses, hein, en fait, hein, tout simplement. Ça permet un peu de camoufler un peu le goût du foie, mais ça passe très bien en boulettes de viande. Donc moi aujourd'hui j'ai une alimentation, je vais dire, allez, je quantifie pas, donc je vais pas non plus trop exagérer les chiffres, mais je suis à 80% de produits animaux, essentiellement de la viande de bœuf, des œufs, un peu de produits laitiers, un peu. Quand je prends des produits laitiers, je vais essayer de privilégier tout ce qui est entier, voilà, vraiment qui a pas été écrémé quoi. Et après à côté, j'ai quelques produits végétaux, de la carotte, un peu de salade pour accompagner. Ça m'arrive de manger du riz ou même des légumineuses. Hein, ça peut m'arriver aussi parce qu'ici à La Réunion, c'est très culturel le riz, le grain, comme j'en parlais au début. Donc après, pour des raisons sociales, évidemment, je peux pas me balader avec mon entrecôte en permanence. Si vous vous lancez dans le régime carnivore strict comme ça d'un coup, il y a des chances que vous ayez des symptômes d'adaptation parce que le corps, lorsque vous supprimez les glucides, il va essayer de compenser et de créer un carburant qu'on appelle les corps cétoniques. Il va passer en état de cétose. Il va créer des corps cétoniques pour remplacer le glucose qu'on ne consomme plus à travers l'alimentation. Alors, ces corps cétoniques remplissent exactement le même rôle que le glucose, mais il y a un temps d'adaptation. C'est un peu comme un diesel, ça met un peu de temps à démarrer. Donc, les 2, 3, 4 premières semaines, selon les personnes, ça peut aller au-delà pour certaines personnes. On peut se sentir fatigué, on peut avoir des coups de barre. C'est tout à fait normal. Il faut voir ça un peu comme un véhicule qui broute des fois là quand on démarre, qui fait boum, boum, boum. Voilà, c'est un peu ce truc-là. Mais après, ça va tout seul, quoi. Et souvent, les personnes qui se lancent dedans, pour celles qui vont au-delà des premiers symptômes un peu... on appelle ça de grippe, la grippe de la cétose. Mais après, c'est génial, quoi. Tout le monde est super heureux, quoi. Ça va très bien. Comme tu disais au début, moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est la clarté mentale, c'est la stabilité de l'humeur. Et puis surtout, on va désinflammer le corps, mais c'est incroyable. Si vous avez des tendinites, ce genre de choses, ça va partir très vite. Il y a vraiment une détoxification. Moi, je compare ça, en fait, beaucoup au jeûne. Le jeûne, on l'a beaucoup mis en avant. Mais le jeûne, c'est quoi? C'est en fait, on va éviter de consommer des produits toxiques. C'est ça, le jeûne. Comment ça arrête de tout manger? Par défaut, on arrête de manger tout ce qui est toxique. Mais le problème, c'est qu'on a une fonte musculaire, on est très fatigué et c'est long à tenir sur le long terme. Lorsqu'on mange que de la viande, il n'y a plus d'antinutriments. Il n'y a plus de substances inflammantes qu'on avait dans les végétaux. Il n'y a plus de fibres alimentaires dont on n'avait pas besoin et qui nous ballonnent et qu'on a du mal à digérer. Et on consomme qu'une alimentation hautement nutritive, hautement digeste et blindée de vitamines et de minéraux. Donc en fait, ce qu'on fait quand on fait un régime carnivore strict au bœuf à gras, avec les morceaux gras, en fait, on fait un jeûne. Mais on fait un jeûne... mais d'une puissance surréaliste, parce qu'en fait, on ne perd pas la possibilité de mener une vie normale. On n'est pas obligé de rester habité. Exactement. On peut continuer à aller faire du sport, on peut continuer à promener avec sa femme, ses enfants, et à aller bosser, quoi. Et moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'ai une alimentation un peu mixte, voilà, où je suis très carné, mais je consomme des produits végétaux pour le social, pour plein de choses, pour partager des repas avec ma famille. Mais une fois par an, pendant un mois, je me fais un jeûne à la viande de bœuf et je sais que je détoxifie l'intégralité de l'organisme. Quand j'avais fait ma première expérience de carnivore strict, au bout de 3-4 mois, un soir, je vais au resto avec ma femme parce que c'est notre anniversaire de mariage. Et là, je lui dis, bon,
écoute, je vais pas juste manger ma viande comme ça avec mon eau gazeuse. Moi, je suis un grand fan d'eau gazeuse, hein, j'adore ça. Donc avec mon eau gazeuse et toi ton repas avec ton petit verre de rouge et tout. Alors je me suis dit bon allez, ce soir je fais une exception. Voilà, sachons vivre en société. C'est notre anniversaire de mariage. Donc je bois une bière à l'apéritif et pendant le repas je bois un verre de rouge. C'est tout ce que je consomme. Avant de me lancer dans le carnivore strict, j'avais tendance à faire les apéros réguliers, je tenais très bien l'alcool. Et après le repas, on s'en va, et puis il y avait ma belle-sœur, sa sœur, donc à ma femme qui était là en vacances à La Réunion, et elle me dit, bah, tiens, on va aller la voir, on blague un peu, on passe la soirée. Je dis, d'accord, on y va. Et là, tout le monde sort la bière, et je me dis, bon, foutu pour la soirée, allez, je vais partager une bière avec tout le monde. Donc ce soir-là, j'ai bu deux bières et un verre de rouge. On est rentré à la maison. Et je vais me coucher. J'étais joyeux, hein. Je sentais que j'avais bu, hein. Mais je me disais, bon, ça va, je vais me coucher. Et au milieu de la nuit, là, je me réveille avec, tu sais, cette sensation de la première cuite quand t'es jeune, c'est la première fois que tu vis ça, avec le plafond qui tourne à très grande vitesse. Un truc de malade. Et je suis parti vomir dans les toilettes immédiatement, quoi. Avec deux bières et un verre de rouge. Alors, peut-être que pour les gens qui n'ont pas l'habitude de boire, deux bières et un verre de rouge, c'est déjà beaucoup. Moi, pour moi, c'était rien du tout. Et ça m'a montré, en fait, la capacité détoxifiante de cette alimentation. C'est-à-dire que tu as un corps tellement sain qu'il encaisse pas la drogue. Il encaisse pas les produits toxiques et son seul but, c'est de les rejeter. Un corps sain, en fait, est très, très réactif aux produits, on va dire, produits toxiques, on va dire narcotiques, que ce soit l'alcool ou la cigarette, n'importe quoi. Et lorsqu'on encaisse, en fait, c'est pas qu'on encaisse, c'est que le corps est complètement intoxifié et qu'il est dans l'incapacité de réagir. Et ce que j'ai découvert, du coup, moi, avec le carnivorisme, c'est ça, c'est une détoxification, mais comme je l'avais jamais connu auparavant. Moi, pour me faire vomir en buvant de bière à verre de rouge, voilà, fallait y aller, quoi. Ah ouais. Et ça, je le garderai toujours en tête. Donc maintenant, je bois plus. Hein. Bah, bien sûr. Très rarement, quoi. Dit-il en ouvrant la bouteille. c'est très intéressant ce que tu dis là, sur la détox. Lorsque j'ai découvert le carnivorisme, moi, encore une fois, c'est très récent pour moi, ça n'a que 2 ans. Mais tous les arguments que j'ai écoutés, je dis, mais en fait, ce sont les mêmes arguments que l'on entend de l'autre côté, quoi. C'est-à-dire chez les frugivores, chez les frugivores, chez toutes celles et ceux qui mettent en avant la détox par le frugivorisme. Et je me disais, bon, c'est juste le même refrain, détox, meilleure santé, etc. Sauf que j'ai fait, moi, pendant 2 ans et demi, le frugivorisme. Et là, je fais depuis 2 ans le carnivorisme. Et pour ma part, il n'y a pas photo, les avantages sont réellement supérieurs à tout ce que j'ai pu avoir comme avantage lorsque j'étais crudivore. Et ce qui est très amusant là, par rapport à ce que tu dis, pour ma part, je ne bois pas du tout d'alcool. Et puis dimanche dernier, il y a une semaine, j'étais chez un ami sculpteur que certains de ceux qui sont en train de nous écouter connaissent parce que on a fait une petite rencontre en présentiel au mois d'août et puis j'aurais présenté ce monsieur qui s'appelle Michel Daon. Et je suis arrivé chez lui aux alentours de midi, je suis reparti à 18h, passé tout l'après-midi ensemble et sur ces 6 heures de temps, j'ai bu, enfin il m'a offert avant le repas un verre de vin blanc que j'ai pas voulu refuser, pendant le repas un verre de vin rouge que j'ai pas voulu refuser et à la fin un verre de cidre avec le dessert. Un dessert que j'ai pas voulu refuser, alors je mange plus de sucre, et un verre de cidre. Eh bien, exactement comme toi, j'étais en Normandie, je suis rentré à Bruxelles, et c'est mon épouse Julie qui a conduit sur le retour, j'étais juste malade. Malade, malade, malade. Alors que l'alcool, comme toi, j'ai connu, je sais, il n'y a pas de problème en général. Et là, et là c'était l'enfer. Ouais, c'est juste amusant que ton anecdote s'aligne avec celle que j'ai vécue il y a une semaine. Ouais, ouais, mais on est nombreux à vivre les mêmes choses, hein, de toute façon. Ouais. Ok, bah écoute David, c'était bon. Moi, j'ai trouvé ce sujet passionnant. Je trouve ta façon de le présenter réellement réellement bien. Je te remercie grandement. Si celles et ceux qui sont là encore présents, si vous avez des questions, bah, posez-les dans la boîte de discussion. Je serais ravi de vous lire et de présenter vos questions à David. Je vois que Valérie est en train de taper. Je vois que Françoise est en train de taper. Donc, on va attendre un petit peu.
Et encore une fois, David, ben merci tout simplement. Je trouve ça très courageux de ta part aussi, parce que mine de rien, tu t'exposes fortement au travers de ta chaîne YouTube, au travers de tes vidéos que je trouve de qualité. Tu t'exposes fortement en tant qu'éducateur sportif, parce que évidemment, tous ceux qui s'intéressent un peu de près ou de loin à la santé, ben on leur a dit qu'il fallait manger beaucoup de fruits et puis beaucoup de légumes. Et toi, tu arrives là avec ton expérience et tes lectures en disant ben on peut regarder ailleurs, quoi. On peut faire autrement. Ouais. Et je pense que ça a dû être compliqué pour toi, non? C'était une sorte de coming out, en quelque sorte. Oui, c'est tout que moi je venais, comme je disais auparavant, moi j'avais toutes mes croyances sur le fait qu'il fallait avoir une alimentation très végétale. Et dans le monde du fitness, de la remise en forme, tu sais, c'est très business aussi. Hein. Donc ça surfe sur les vagues. Et donc, tout le monde y va de ses recettes végétariennes, de ses recettes véganes. Et c'est vrai que quand tu arrives en disant « Non, non, moi ici, c'est viande rouge », ben, c'est pas le truc le plus « healthy », comme ils disent là. C'est ça. Et surtout, quand tout le monde propose des recettes, on te propose toujours des recettes où il n'y a pas de viande, tu sais. Personne ne dit qu'il ne faut pas en manger, hein. Mais on fait que des photos avec beaucoup de verdure, beaucoup de fruits, avec des bols, voilà, très fournis. Et on fait comme si les produits carnés n'existaient pas. Alors, on ne dit pas que c'est interdit, mais on n'en parle pas, quoi. C'est ça. Alors, il y a Carmen qui dit « passionnant et très bouleversant ». Françoise qui pose une question et qui te demande « peut-on remplacer la viande par le poisson ?» Alors oui, tout à fait. Donc, les poissons et les produits de la mer sont extrêmement bons pour la santé. Il faut savoir que historiquement, les premières villes de l'humanité ont toutes été fondées sur des bords de mer. Les rivages ont toujours été très 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 recherchés par l'humanité, et donc il faut juste ne pas hésiter à manger des poissons gras. Alors je sais qu'on dit toujours d'éviter de manger des gros poissons parce qu'ils sont contaminés au mercure, mais néanmoins, d'un point de vue purement nutritionnel, hein, sans parler de pollution, on peut tout à fait remplacer la viande par le poisson. Idéalement des poissons gras, et puis après, il ne faut pas hésiter à manger des coquillages, des crevettes. En fait, dès que ça vient du règne animal, vous pouvez y aller, hein, y a aucun problème. Ok, toujours Françoise qui pose une seconde question. Quid de l'équilibre acido-basique? La viande n'entraîne-t-elle pas d'acidose? Alors, l'équilibre acido-basique, c'est quelque chose qui a longtemps fait partie de la naturopathie et de tous ces points de vue-là. Il faut savoir que factuellement, le corps ne peut pas rentrer en acidose. Si vous faites une acidose, vous partez à l'hôpital, en fait. Le pH sanguin ne bouge pas, pas du tout. Il n'y a absolument aucune acidité qui se crée au niveau de l'organisme. Et puis surtout, l'acidité varie d'un organe à l'autre. L'estomac, comme j'en parlais, il est extrêmement acide, alors que le sang, il est à 7,45. C'est beaucoup plus basique que l'acidité de l'estomac. Et donc, si ça varie, on part à l'hôpital immédiatement. Donc, en fait, ça n'existe pas, l'équilibre acido-basique. Tout ce qui se passe, c'est que quand on a, par exemple, une alimentation trop sucrée, le corps va tamponner en puisant dans les minéraux des os et des dents pour pouvoir réduire cette acidité entrante. Et donc, on se retrouve avec une déminéralisation osseuse et au niveau des dents. Et souvent, les personnes très très végétariennes ou véganes, elles ont des problèmes de caries et des problèmes de dents à cause de cet état interne de déminéralisation. C'est pas le sucre qui est sur les dents qui attaque les dents, en fait. Ça vient de l'intérieur. Donc non, il y a pas l'équilibre acido-basique, c'est une fausse vérité, ça n'existe pas, en fait. D'accord, très bien. Juste pour faire un point sur l'heure, il est 18h04 à ma montre. Est-ce que c'est OK pour toi, David, de rester encore un petit peu et de répondre aux questions? Oui, on peut rester 10 minutes, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, il y a une question une remarque et une question de Anne. Que dites-vous au sujet des grands sportifs tels que Kylian Jornet? Oui, Kylian Jornet. Ouais, qui explique l'augmentation observée de ses performances sportives après être devenu vegan. Merci pour votre perspective, en tout cas. Alors, je savais pas que Kylian Jornet était vegan. Je l'avais vu ici à La Réunion, justement, un jour. Parce que c'est un trailer, pour ceux qui connaissent pas, c'est un mec qui fait des courses de montagne qui est très, 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 très fort. Hein, c'est le numéro un mondial. Enfin, je pense que c'est un des meilleurs, en tout cas. Je savais pas qu'il était vegan. En tout cas, je ne dis pas que le véganisme n'est pas possible. Attention, hein. Je parle de santé, je parle de vieillissement optimal, de santé optimale. Et ce qui est sûr, c'est qu'on a de nombreux véganes qui performent dans les sports cardio.
Donc moi, je ne dis pas que ce n'est pas possible à aucun moment. Moi, je parle juste de santé optimale. Donc, on peut faire du cardio de haut niveau et être vegan apparemment. Après, voilà, tout ça est à prendre avec des pincettes parce qu'on ne sait pas ce que font les gens quand ils ferment la porte. Moi, je dis toujours, méfiez-vous de tout le monde, même de ce que je dis moi. Hein. Des témoignages, ce sont des témoignages. Donc, Kylian Jornet, il est très bon. On a également Richard Roll, pour ceux qui connaissent, qui est un vegan très connu dans le monde de la course à pied. Ce qu'il y a, c'est que tout ce qui est sport de force, on ne peut pas développer des sports de force, des sports de puissance en étant vegan. Et ceux qui le font, en général, sont en fin de carrière ou en tout cas arrêtent leur carrière et puis c'est terminé. Ok, merci beaucoup. Il y a encore d'autres questions. Il y a une question de Pascal qui dit la chose suivante. Très interpellant, merci beaucoup. Ce régime s'adapte-t-il à tous les âges de la vie? Plus âgé, ne devrait-on pas limiter un peu les protéines très denses alors que notre corps perd en matière? Une croyance, point d'interrogation. Est-ce une croyance? Oui, probablement, parce qu'en réalité, plus on avance en âge et plus il faut consommer de protéines parce qu'on a du... Plus on vieillit et moins on assimile en réalité les nutriments. Et on a besoin de protéines de qualité, notamment de protéines animales. Alors, j'en ai pas parlé pendant l'entretien, mais les seules protéines vraiment de qualité sont les protéines animales comparées aux végétales parce que on a tous les acides aminés en proportion adéquate dans le règne animal. Faut savoir qu'il y a 22 acides aminés nécessaires à l'être humain, 9 qui sont essentiels et qu'on ne retrouve pas dans le règne végétal. C'est bon à tous les âges de la vie et notamment en réalité, dès qu'on est dans des populations spécifiques, il vaut mieux augmenter la quantité de protéines de qualité. Donc, notamment les enfants en période de croissance, les femmes allaitantes, les femmes enceintes, les personnes âgées, toutes ces personnes-là devraient en premier lieu augmenter la quantité de protéines quotidiennes. Sans forcément devenir carnivore, attention, hein, mais si vous pouvez augmenter votre apport protéique quotidien, vous n'irez que mieux, quoi. Ok, super, merci beaucoup. Il y a encore deux questions, ou en tout cas, oui, une question de la part de Valérie, en tout cas une remarque. Merci pour cette présentation, vraiment très riche. J'ai entendu des arguments vraiment convaincants. J'ai quitté la ville pour vivre en nature et je ressens de plus en plus ce que tu dis au sujet de cette violence juste nécessaire. Je souffre de tendinite aujourd'hui et la seule fois dans ma vie où j'ai été au bout d'inflammation, c'est en ne mangeant que de la viande et des produits laitiers. Donc aujourd'hui, proche d'une viande de qualité et surtout de personnes aimant leurs bêtes, je m'y ouvre totalement. Un grand merci pour toutes les sources. Ben voilà. Merci Valérie. C'est un beau témoignage. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent, je rappelle qu'en France, on a des producteurs bovins qui livrent dans tout le pays. Il y a le bœuf éthique, donc c'est la personne dont je vous avais parlé, là, Émilie Janin, qui se déplace avec son abattoir mobile dans tout le pays. Les bêtes sont élevées en pâturage et abattues à la ferme sans aucune souffrance, sans transport, sans rien du tout. Et il y a également le bœufderbe.fr qui produit même chose, de la viande de bœuf qui vit en pâture toute l'année. Et tout ça, c'est de la viande de qualité. Par exemple, le bœuf d'herbe, je sais plus à combien, pour parler de prix, hein, combien tourne la viande du bœuf éthique, mais en tout cas, le bœuf d'herbe, vous avez de la viande de pâture de qualité bio à 20 euros le kilo, ce qui n'est pas excessif du tout et ce qui est à peu de choses près ce que vous trouvez au supermarché. Mais comment accéder aux poissons ou à la viande dont la production n'abîme pas l'environnement et respecte les animaux? Il existe une solution qui émerge. Se fournir directement chez les éleveurs grâce à la vente directe. En privilégiant les circuits courts, on participe à la lutte contre le réchauffement climatique. Mais cela permet également un maximum de traçabilité. Pierre Hénard élève des vaches nourries à l'herbe totalement biologique. Il a fait le choix de maîtriser sa production de bout en bout, du champ jusqu'à l'assiette. Nous, notre filière-là, on permet à des urbains, des habitants de grandes villes qui n'ont pas l'accès facile à la vente directe, à l'accès direct à un agriculteur dans les 5 ou 10 km autour de chez eux, parce qu'ils sont dans des grandes villes, eh bien, ils ont cette possibilité d'aller sur Internet, de commander donc des colis de viande auprès de nous, et ils vont recevoir chez eux directement cette viande qui est élevée, engraissée, à l'herbe, avec beaucoup de respect justement des
des animaux. Pierre Hénard refuse de vendre ses produits à travers les circuits industriels classiques, comme la grande distribution. Il transforme donc lui-même sa viande dans un petit atelier de découpe. La spécificité de l'atelier ici, c'est que le travail se fait sur un animal unique. Donc il y a une traçabilité certaine et on ne retrouve ça que dans un circuit court de vente directe. Parce que dans les grands abattoirs, eh bien, dans un lot, vous avez de 50 à 100 animaux différents. Ici, un lot, c'est un seul animal. C'est l'émergence de la conscience du consommateur, savoir que dans son mode d'achat, il a un pouvoir qui est plus fort que quand il vote. Parce que ce pouvoir-là, il l'exerce tous les jours, chaque fois qu'il va faire des achats. Quand il quitte une viande industrielle et qu'il prend une viande en plein air qui a été élevée à l'herbe, ça veut dire que le consommateur va financer, promouvoir, investir dans un mode d'élevage, dans des éleveurs qui vont pouvoir vivre et qui respectent l'air, l'eau, la nature, les animaux. Et c'est ce choix de société-là. En choisissant ce qu'il va acheter, le consommateur choisit le mode de société dans lequel ses enfants grandiront demain. Ok. Moi, pour ma part, donc, comme je disais tout à l'heure, je me fournis auprès d'un boucher sur un marché ici à Bruxelles, avec une viande bio et de bonne qualité, avec un boucher totalement passionné et respectueux. Et lorsque je n'ai pas accès à ce boucher, je suis réellement en souffrance. C'est-à-dire, j'ai réellement du mal à trouver une viande de qualité et abordable ailleurs. Et je crois que si j'avais eu ces prises de conscience sans ce lien à ce boucher, je n'aurais pas tenu ma relation au carnivorisme. C'est réellement les prises de conscience associées à cette belle rencontre avec cet homme. Il y a encore une question de Nathalie qui dit « Cher David, merci pour ton intervention. Tu n'as pas trop parlé de l'agneau, du porc, du gibier ou du poulet. Nous, à la maison, nous mangeons peu de bœuf pour des raisons de goût, parfois un peu de veau. Quid des qualités des uns et des autres ?» Alors ouais, j'ai beaucoup parlé de la viande de bœuf parce qu'en réalité, j'ai pas trop développé là sur notre évolution, mais on s'est essentiellement nourri de viande grasse parce que c'est comme il y avait peu de glucides dans un environnement d'air glaciaire, notre principal carburant c'est la graisse. Donc en réalité, les viandes maigres, on en mangeait très peu. Et puis c'est pas facile à chasser les viandes maigres parce que ce sont des petits animaux en général. C'était plus facile de chasser des gros animaux bien massifs qu'on pouvait traquer et dépecer et qui étaient très denses caloriquement. Donc en réalité, je suis resté sur le bœuf parce que c'est la viande qui s'apparente le plus à ce que notre physiologie peut digérer le plus facilement. Ça veut pas dire qu'on peut pas manger d'agneau, de porc ou de gibier ou de poulet, hein. Mais c'est vrai que c'est mieux de privilégier une viande un peu plus grasse. Et pour le coup, quand on mange trop de viande maigre en carnivore, c'est-à-dire qu'on va manger que de la viande maigre, par exemple, on peut développer des symptômes. Là, je connais plus le nom, mais c'est une maladie qui arrive quand on mange que de la viande maigre avec très peu de graisse et très peu de glucides. Donc il y a des ratios à respecter. Et on appelle ça, ah oui, c'est la maladie du lapin ou quelque chose comme ça. Un truc comme ça, la maladie du lapin, parce qu'en Amérique du Nord, à un moment, on avait des gars dans les forêts qui mangeaient beaucoup de lapins et ils avaient développé ces maladies parce que justement la viande était trop maigre. Donc voilà, ça va de pair. C'est pour ça que je parlais beaucoup du bœuf, c'est parce que c'est essentiellement de la viande grasse qui est nécessaire. Okay, voilà. Ceci dit, il suffit de rajouter du beurre ou de la crème ou voilà, des produits gras avec le poulet et ça passe très bien. Très bien. Un partage de la part de Marie-Pierre, puis je pense que nous pourrons nous arrêter là. Marie-Pierre qui te remercie fortement et qui dit coup de vent dans ses croyances. Voilà, tu as été un ouragan sur ses croyances. Merci Marie-Pierre. Tu peux nous dire encore une fois où est-ce qu'on peut te retrouver, le nom de ton site internet et de ta chaîne YouTube? Alors le site internet c'est santédefer.fr. Et la chaîne YouTube, c'est pareil, c'est Santé de Fer. Vous tapez ça tout attaché et vous pourrez me tomber sur moi très facilement. Et t'as une newsletter, tu es présent sur Facebook, ce genre exactement, de choses. Exactement, ouais. Ouais, ok.
Bon, bah, très bien. J'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Ah, c'était super, c'était super. Et moi, j'ai passé un très bon moment en ta compagnie, en la compagnie de tout le monde. David, merci beaucoup. Merci d'avoir contribué à ce que j'appelle mon suicide, je pense. D'injecter le carnivorisme dans le monde du yoga. Lorsque nous échangeons il y a quelques temps avec David, David me disait il y a vraiment des chances pour que je sois vu comme un hérétique du fait de mettre en avant la viande ou comme un arrogant. Alors, je suis habitué à l'arrogance, il va falloir que je m'habitue à l'hérésie.